ça va pas. Non, c'est un peu trop chaud par jour. Tu vas faire une petite pierre. Mais c'est Caillou. Oh. C'est lui qui lance des cailloux. Ça c'est un moyen, c'est qu'il faut respecter les voisins, on ne peut pas venir jamais se mettre. Le vice, c'est ça. Ça c'est les petits. Ça c'est une citation du gourmand. Ah, c'est en français. Eh bien, pour la fin, ça c'est par exemple Mohammed, le prophète. C'est le témoignage des non-musulmans qui ont lu sa biographie. Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Ça ne prend pas beaucoup de choses. Je suis plein, mais rien. Ici, dans la mosquée, par exemple, c'est la prière. Merci. Madame, le matin loup, quand il y a la différence entre le jour et la nuit, l'air de prière rentre. Et ça finit au lever du soleil. C'est une période qui est environ de combien de temps? Qui change. Deux heures plus tard, des fois, moins plus, ça dépend. En hiver, par exemple, c'est moins. En été, c'est un peu plus. Donc, on parle aux alentours de 4-5 heures du matin, ou 5 à 6. Actuellement, c'est 4 heures du matin jusqu'à 5 heures d'un coup. Okay. Dans certains cas, ça commence à 6 heures jusqu'à 7 heures. Ça dépend du plan de ce soleil. Puis, c'est des prières qui sont guidées par l'imam. C'est ça. C'est des prières personnelles. Non, on a les 5 prières là, ça se fait en groupe. Et l'idée, c'est qu'on se regroupe 5 fois par le jour, qu'on se voit, on se tutoie, on s'incline, on se met devant le Seigneur. Okay. Donc c'est l'imam qui s'arrête là-bas, que vous avez les lignes ici, et les autres s'alignent. Ça c'est en position de Maghreb? Non, c'est comme ça, si vous voulez. Ok. Ok, merci. C'est ça. Ok. Bien, les pieds, ça. On touche? Non, c'est ça, on touche tous. Ok, on fait comme ça. Ok. C'est ça. Donc l'imam est là, on le suit. S'il s'incline, on s'incline avec. S'il s'élève, on s'élève avec. Et à chaque fois qu'il change de position, il me fait signe en disant Allah Akbar, Dieu est grand. Okay.